Et... Allez. D'accord. Ça a lancé le quantum, ça s'est arrêté juste derrière. Super l'ambiance. Franchement, je me sens aimé, c'est une dinguerie. À nous. Mais ça, j'arrive derrière. Franchement, ça a lancé, c'est genre le vaisseau il a calé, tu sais. Alors celui qui est là, c'est lui qui est en détresse. Alors petite info, si vous voulez. Je vois pas la mission. Petite info. Attaquez d'abord les chasseurs. Mais ça on le sait hein. Ok, bah je fais la donne au cas où. Donc là il y a le Hammerhead. Ah. Ouais, je trouvais l'Iris. Il y a le deux Hammerhead. Ouais. Et les Hammerhead, ouais. Bah, de toute façon, il n'y a que deux Hammerhead et un Idris, non ? Mais il y en a un qu'il faut protéger, là, surtout. Il y a un Hammerhead à protéger, là. Là, il y a deux rouges, normalement. C'est bon, la Hammerhead. Il est où le blanc là ? Le deuxième, il est là, juste à côté. Pas un Hammerhead ? Si, il reste un... Non ? Non, il est down, l'autre Hammerhead. Attends. Si, il y en a un autre. Il y en avait deux. Lui, il était déjà pété, mais... Ah, mais ok. C'est juste qu'il était en sop... Il est pas en... Enfin, il était en sop B, justement. Il reste plus qu'Idris. Ouais, je commence le 14 juillet. Attention. Vas-y, on voit la suite. J'en vois deux, là. J'en vois les quatre dernières que j'ai. C'est passé de bon moment, gros, c'était magnifique. C'est quoi ce défilé, là, qui nous a fait, là? Il y a de la fumée partout, tu regardes, c'est un quadrillage. Oh, aïe aïe aïe. Par contre, il n'y en a aucune qui touche. Hein. Il n'y en a aucune qui touche, oui. 6, 2, 3, 4. Je vois qu'elle touche. Sur les 50 que t'envoies, gros,
T'en as pas beaucoup qui font qui touchent pas. Hein. Là pour arriver à donner le shield. Wow. Et hier, la T10 là, elle m'a tiré dessus. L'obus est passé à 10 cm de ma gueule. Oui, t'as de la chance. Ah ouais. Et moi j'ai tombé le bouclier derrière.
Ça va être plus sur quel morceau de tirer pour que je vienne plus rouge. Ouais. Voilà, là, ce morceau est rouge. Voilà. Mais tout, t'es quasiment rouge, il reste que l'aile de droite qui est pas rouge. Eh ben, j'y suis, là, j'y suis. Non, mais en rouge, je veux pas dire explosé, hein. Non, mais arrive un moment, il est censé péter. Vous faites quoi? On tente un hydrisme, mais... C'est une heure et demie cognée. Ah. Je me rappelle le beau souvenir. Oui. Allez, je vais. Ouais, non, mais là. Ah, voilà. Ah, ça y est. Ah, 1h20... Ah, j'ai loupé. 1h23 pour le faire tomber, les gars. GG. T'as toujours ton super pseudo, en tout cas, Razor. Ah, oui. Attention, c'est top secret. Oula. Il a pété. Frère, c'est pas normal. C'est dans les balises, là, que vous l'avez, ça? Ouais. Mais arrête! Oui, t'es sérieux, là? Bon, je me casse, tu fais. Les gamins. Regarde la petite tapette. Ah, il tire et il cantoume. Il fait partie de ces petites salopes. Ah, voilà. Quelle petite pétasse. Et t'as vu celle-là? La prochaine fois, je te laisse même pas ça. J'arrive, je te rafale. Tu m'as rafalé 15 fois, ouais. Ouais, mais c'est... Allez, sur les 15 fois et 14 fois, c'était un menteur. Ouais, mon cul, oui. Mais c'est de ma mère que c'est vrai en plus. Toutes les secondes... Oh, pardon. Oh, pardon. En plus, il me poursuit. Mais quelle putain celui-là. C'est bon, quoi. Mais non. Pourquoi moi je te poursuivais? Mais parce que tu me poursuis. Mais jamais j'oserais. Mais gros, j'ai juste quantum pour aller à virus. L'autre il m'a tiré dans le fion comme une pétasse. Et il dit tu me poursuis alors que je vais direction... Et Viris Arbor. Il était se réfugier à Viris Arbor. Ah, c'est Raffin Station. Mais non, je viens d'arriver sur Hurle 2. Non mais je te vois sur ma map, hein. Ne t'excite pas. Ah merde. Quelle tapette. Donc les amis, comme vous avez pu voir sur la fin de la vidéo, on détruisait l'Idriss et son escorte. On a mis 1h23 à le tomber. Bon, on a mis un petit peu plus de temps que d'habitude. Comme vous avez pu le voir, à trois vaisseaux, on s'en est sorti plutôt facilement, on va dire. On a défoncé les deux Hammerhead et l'Idriss. Donc j'ai pas vous mettre toute la vidéo comme je l'ai fait, comme vous avez pu le voir. On a fini l'Idriss en 1h23, la vidéo elle faisait 1h30 parce que j'ai chassé Razor 30 pendant un petit Razor back, pardon, pendant un petit moment pour s'amuser, mais comme vous avez pu le voir, la vidéo en soi en elle-même dure déjà 1h30. J'ai réussi à vous la raccourcir un peu et vous mettre les moments les plus importants. Donc bon, les trois quarts du temps c'est désaccéléré avec un petit peu de musique pour que ce soit un peu plus fun pour vous, à part sur la fin et le début, mais voilà, c'est un condensé de notre petite session contre l'Idriss et son escorte. Malheureusement, comme vous pourrez le voir,
À la fin de la vidéo, l'Idriss va, enfin, je sais pas si c'est l'Idriss ou quoi que ce soit, la mission l'a bugué parce que notre, le mec qu'on devait escorter est décédé. Mais bon, c'est pas très grave, on a fait surtout ça pour affronter l'Idriss, pardon. Donc, on a réussi à le déglinguer comme d'hab, hein, mais on voit que il y a eu un peu plus de difficultés. Je pense que c'est aussi parce que le serveur était pas non plus au top de sa forme. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, une demi-heure, comme on l'avait dit dans la vidéo que j'ai coupé, mais on avait mis une demi-heure avec Jésus, Béatier et moi-même. Là, on a mis 1h23 à peu près. Donc, c'est un peu plus grand, on va dire, quasiment une heure de plus, donc c'est pas grave, mais au moins, voilà, on peut toujours le défoncer l'Idriss. Dans très peu de temps, il y aura un tuto concernant mettre le jeu en français, et comment voler l'Idriss. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, tout le monde.